Bon, ben, il va falloir y aller. Ça caille un peu quand même. Me voilà dans la Haute-Loire. Mais dans la Haute-Loire, il fait pas beau. Il y a un brouillard pas possible. Il fait pas chaud. Vivement que je redescende, on est à 1300 mètres là, donc la fraîcheur s'explique. Alors les filles. Ah ben ça zone à chaîne. J'ai pas de chaîne. À la Haute-Loire, c'est pas plat non plus. Ça grimpe comme il faut. Il y a une petite route pour les vélos à côté là, donc c'est pas mal. Depuis hier, je suis sur des toutes petites routes quand même. Ce matin, 40 km de brouillard. Avec du brouillard qui tombe, là, ça te trempe sans qu'il pleuve. Donc, je vais être à une vingtaine de kilomètres du puits, là. Allez, on va voir s'il y a une boulangerie, là, dans ce petit village. Il commence à faire faim. Voilà, Saint-Privat-d'Allier. Village très beau aussi, la Haute-Loire, paysage magnifique. Voilà maintenant la vallée de la Loire. Apparemment je peux remonter jusqu'à Mulhouse par cette belle route. Peu de voitures pourvu que ça dure. Voilà donc la vallée de la Loire avec une petite piste cyclable pas mal, mais bon, elle dure pas tout le temps, mais bon, il y a peu de circulation, donc c'est pas mal non plus quoi. Là ça s'arrête, ça reprend par endroits. Bon, il y a vraiment un peu de circulation, c'est vraiment sympa là. Donc apparemment ça va très loin, donc jusqu'en Allemagne logiquement, c'est formidable. On va voir ça, on va rester là, le soleil commence à faire son apparition. Depuis ce matin c'était pluie sur la Lozère là-haut, enfin, c'était vraiment pas terrible, du brouillard. Sur la vallée de la Loire aussi, du brouillard, enfin pas formidable. Ça commence à aller mieux.